ça se passe bien. Le coach a trouvé le moyen de bien nous parler pour qu'on comprenne l'objectif. Assimiler les polymonies jungle et on essaie d'aider aussi Nido Réunion avec la communication et la compréhension de ce que le coach veut, mais dans l'ensemble ça se passe bien. On traduit à chaque fois qu'il dit quelque chose ou on se met à côté de celles qui ne comprennent pas et on essaie d'expliquer vraiment pour que Nido peut comprendre en même temps, comme ça nous n'est que de répéter à chaque fois si nous avons des flumoirs. Au début, on a une frise, c'est normal, nous n'avons pas de la melon, mais au fur et à mesure, nous avons adapté où nous avons dit que nous avons pour nous avons pas de l'année, quoi, donc ça va, nous avons adapté où. On est conscient de cet enjeu parce que je pense que nous avons Nigeria a dominé depuis des années et nous aimerions vraiment que si nous avons arrêté l'eau, et comme nous avons dit que nous avons parce que nous avons dit que nous avons dit que nous donc on doit juste travailler dur en fait pour atteindre ça bala DWN Afro Basket Bidinyam. Ni pougnou ou gounou, mais pour on a fait juste 3 jours d'entraînement, mais je pense que ni pougni ni wane lu ñu mëna ñu ngi joxé wa à fond. On n'a pas fait grand-chose, donc c'est un peu difficile de juger, mais je pense que tout le monde est en train de faire son maximum pour être dans les 12. Très optimiste, parce qu'il le fallait dans tous les cas. Donc, et comme il l'a dit, il va faire un mélange d'expérience et de jeunes. Donc je pense que c'est une bonne chose, parce que l'expérience, c'est équipe, parce que c'est pas toujours évident. Il faut une expérience pour nous accompagner, Finujar et tout, nous ça a été le cas avec Nyom Tosh, etc. Donc on verra comment ça va se passer pour Afro Basket. Mais je pense qu'il a plus misé sur la jeunesse pour aussi pour l'Union avec l'Union.